Mokozan Cizé est extrêmement important, qui a affecté nous tous, la drogue. Vous connaissez, depuis 2005 jusqu'à 2014, le gouvernement travaille ici une soutire, une prothèse, un baron de la drogue. À tel point qu'ils ont construit pendant cette année-là un gros empire. Ils ont ramassé beaucoup, beaucoup de casse. Pas milliards, pas millions, milliards. Vous rappelez qui manière Navin Ramgoulam a toujours refusé de mettre une commission d'enquête sur la drogue. Ça, c'est un signe. C'est une raison pour montrer qui manière parti travailliste in toujours prothèse sa bande baron là. Et on guette, même après là, depuis qu'ils sont dans l'opposition, parti travailliste qui manière défendre ban ce qui est impliqué dans le trafic, la drogue. Guette qui ban avocat travailliste qui peut défendre ban ce qui est impliqué dans le trafic, la drogue. Guette au niveau parlement, ban député, ou un député travailliste. Mais où est la députée MMM aussi qui défend sa bande mafiosie là? Nous, nous pouvons casser les reins. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, il y a 14 milliards de roupies valeur marchande de la drogue qui finit saisie. Il y a plusieurs arrestations. Nous pouvons donner des moyens à l'autorité pour capable faire ce travail. Jamais finir comme ça dans le passé. Moi, je connais qui passait. Je connais qui quelque chose peut faire, peut tramer. La situation est bien grave dans le pays. Où est l'opposition qui est associée avec la mafia la drogue? Parce qu'il nous peut tellement casser les reins. Nous peut tellement en avoir saisi. Notre revenu peut bien, bien diminuer. Là, nous finissons faire une coopération. Nous finissons faire une coopération avec les îles de l'océan Indien. Et grâce à nos coopérations, je ne vais pas vous donner un détail, mais une arrête transaction la drogue, presque capable de dire une tonne quelque fois. Et vous réalisez qui travail nous peut faire, mais vous réalisez comment ça va une mafia là, vous avez une comment nous zone. Non seulement vous pouvez financer l'opposition, non seulement que l'opposition peut associer les autres avec ça va une mafia là. Mais où il y a une autre mafia en cours, qui tu peux régner dans les courses, tu peux triquer. Et quand nous mettons l'ordre, nous mettons l'ordre, nous passons la loi, nous amenons plus de transparence. Et là, vous connaissez, vous sortir contre moi, vous êtes capables de sortir contre moi, pas faire rien. Parce que moi, je travaille avec mon gouvernement avec conviction. Nous voulons mettre l'ordre, nous voulons nettoyer, nous voulons mettre propre. Là, c'était nous t'en dire, la radio, il y a le dire. Et mon gars, ça depuis l'étranger, il fait une donation depuis l'étranger. Marie, ça. Est-ce que vous avez une affaire? Ça, c'est ce qu'on trouve là. Je connais, dit, on trouve un coffre, on trouve autant d'argent. Vous dites, ben ça, papa. Laisse-moi dire aux autres, ça, un gadjak, ça. Un gadjak, ça. Plus tard, vous trouvez. Ou vous trouvez qui a été piazé en fait avec sa pays là, avec sa économie là. Qui manière il prend au poste. Mais, je trouve l'autre jour là, la radio, les 10 mars, les admet, les dire, mon fait erreur, mon fait beaucoup erreur personnel dans mon vie, mon fait beaucoup erreur politique. Vous connaissez ces histoires, Amgoulam, qui était? Ça coule une perte d'élection, il vient dire, mon fait beaucoup erreur, mon fait beaucoup. Sur le plan personnel aussi, pas besoin d'aller dans le détail, tout le monde connaît. Ça coule et vini, il dit pardon, excusez, redonne-moi sens, redonne licence. Vous connaissez quand vous avez eu à Koula? Bientôt là où vous connaissez quand vous avez eu. Mais seulement nous, nous ici, l'Alliance Mauricienne, comme mon camarade, mon leader, une cause, nous sommes l'Alliance soudée. Nous, c'est l'objectif. Nous, c'est l'objectif, c'est amener progrès, amener développement au niveau de l'économie et au niveau social. Moi, je suis content. Moi, je suis content. Remercier
camarade Ivan Kolendavelou, camarade Alan Ganou, camarade Steve Ouigadou, pour votre solidarité. Et moi capable de dire aux autres, ça gouvernement là, les poils jusqu'à la fin de son mandat. Nous pouvons accueillir beaucoup de monde qui peut venir avec nous tous les jours. Nous rassembler, nous avancer ensemble et nous amener développement et progrès pour bonheur et prospérité de nos populations. Merci de tout.